Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous continuons sur l'ouverture du jeu par une percée de pions, mais maintenant nous allons voir des percées de pions qui sont liées au sacrifice d'un pion. Ici, une partie de Scala contre Vucek à Prague en 1957, avec trait au blanc. Ici, les blancs ont un grand talent de vente de développement, considérable même. Et le roc noir est sérieusement affaibli. Pour exploiter leur supériorité, les blancs doivent ouvrir le jeu. Mais la préparation par la percée G4-G5 coûterait beaucoup de temps qui serait mis à profit par les noirs pour contre-attaquer par cavalier en D7 puis en E5 et le fou en A6. La partie continua alors donc par E5. Après, dame prend E5, dame G6. Les blancs auraient deux menaces, tour prend F6 et tour E4. Donc, et sur F prend E5, alors on aurait tour F7, dame G5. Et tour prend G7, échec. Donc après E5, les noirs ont pris avec le pion E. Prend E5. Mais à ce moment-là, deuxième très bon coup, surprenant, D6. Maintenant, si dame D7, alors tour prend F6. G prend F6. Dame G6, échec. Roi H8. Dame prend H6, échec. Roi G8. Dame G6, échec. Roi H8. Et tour F5 avec des menaces de mat imparables, en tout cas pas sans perdre une grosse partie du matériel. Donc revenons à la position. C'est là qu'on voit aussi que ce roc très affaibli est un gros handicap. Donc après E5, D prend E5, D6, la dame est ici, excusez-moi. Alors dame E6, pour continuer à défendre le point F6. Fou F5, dame F7. La tentative de se défendre en sacrifiant la dame par par E prend F4, fou prend E6, échec, tour prend E6, échoue à cause de dame D5. Et la tour étant clouée, c'est terminé pour les noirs. Voilà, donc revenons encore une fois à notre position. Donc après E5, D prend E5, D6. Dame E6, fou F5, dame F7, fou H7, échec, roi F8, et tour prend F6. Et les noirs abandonnèrent, parce que le mat survient rapidement. Par exemple, sur G prend F6, alors dame prend H6,
échec, dame G7 et tour. Oui, excusez-moi, la tour était donc ici. Et tour prend F6, échec et mat. Donc, de même sur. Bon, voyons la dernière variante. Hein, on va remettre une pièce. Donc après E5, D prend E5, D6, dame E6, fou F5, dame F7, fou H7, échec, roi F8, tour prend F6. Donc par exemple, si les ils se défendent avec la dame. Dame prend F6 en sacrifiant la dame. Alors tour prend F6, échec. G prend F6 et dame G6 et c'est terminé. Le mat s'ensuit immédiatement. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.